Bonsoir à tous, bienvenue dans notre journal télévisé consacré à l'exploration spatiale. Ce soir, nous allons parler de la préparation nécessaire pour aller dans l'espace, de l'équipement nécessaire pour survivre en orbite et des défis rencontrés par les astronautes. Pour en parler, nous avons invité un technicien spécialisé dans les équipements spatiaux, un astronaute qui a passé du temps dans l'espace et son entraîneuse personnelle. Je vous demande d'applaudir nos invités. Notre technicien Ulysse. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Le célèbre astronaute Solal qui vient de retourner de son voyage vers la Lune. Merci d'être venu, nous savons que vous avez encore beaucoup de travail. Merci de m'avoir invité et le plaisir est pour moi. Rien de mieux que d'instruire les prochaines générations d'astronautes. Tout le plaisir est pour nous, monsieur. Ulysse, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les équipements nécessaires à la survie dans l'espace, si vous le voulez bien? Mais évidemment, les équipements nécessaires pour survivre dans l'espace sont très différents de ceux utilisés sur Terre. Par exemple, l'eau est une denrée rare en orbite. Donc, dans la Station Spatiale Internationale, nous avons besoin d'un système sophistiqué pour produire de l'eau potable à partir de l'urine et la transpiration des astronautes. C'est très impressionnant. Et quand les astronautes font des sorties dans l'espace, ils ont aussi besoin d'une combinaison spatiale, non? En quoi est-elle importante? Chaque partie de la combinaison spatiale est cruciale pour la survie de l'astronaute. Par exemple, les gants de la combinaison doivent être extrêmement résistants à la déchirure pour éviter toute perte de pression. Le dos de la combinaison spatiale, quant à lui, est un endroit où nous retrouvons tous les réservoirs d'eau, d'oxygène et d'autres éléments importants pour la survie de l'astronaute dans l'espace durant les missions. Fascinant. Pouvez-vous nous en dire plus sur le système de production d'eau à bord de la Station Spatiale Internationale? C'est une question qui est souvent soulevée par les internautes. Bien sûr, c'est une solution assez simple, mais l'appareil est assez sophistiqué. Nous avons un système appelé ECLSS, Environmental Control and Life Support System. Il produit de l'eau potable à partir de l'urine et de la transpiration des astronautes. Ce système utilise des processus de filtration, de distillation et de purification pour transformer l'urine de la transpiration en eau potable. C'est un système très important pour la survie de l'équipage. Ce système contribue aussi au niveau de l'oxygène, car ce système convertit le CO2 de la respiration humaine en oxygène. Merci beaucoup pour ces informations, mon cher Ulysse. Solal, je pense que les internautes sont impatients de vous entendre parler. Parlez-nous de votre métier. Bonsoir à tous. En tant qu'astronaute, la préparation physique et mentale est essentielle. Avant de partir en mission, il faut être en excellente condition physique et mentale pour être capable de gérer les défis de l'espace. Il est important de suivre un programme d'entraînement rigoureux pour maintenir une bonne forme physique avant de partir en mission. Quels sont les types d'entraînement que vous suivez pour rester en forme? Nous avons un programme d'entraînement qui comprend des exercices cardiovasculaires, de musculation et des exercices spécifiques à l'espace, tels que la simulation de microgravité dans d'immenses piscines. Nous passons également du temps à apprendre comment utiliser les équipements de la navette spatiale et nous entraîner pour les tâches spécifiques de notre mission. Je vous présente mon entraîneuse personnelle, Louise, qui m'a aidé tout le long de mes voyages. Bonsoir, je suis l'entraîneuse personnelle de notre astronaute. En plus de l'entraînement physique, il est également important de se concentrer sur la santé globale de l'astronaute. Nous mettons l'accent sur l'hygiène, le sommeil et la nutrition pour s'assurer que l'astronaute est en bonne santé pendant la mission. Bien sûr, en raison de l'absence de pesanteur, les déchets et les saletés peuvent flotter librement dans l'air, ce qui peut causer des problèmes de santé pour l'astronaute. Nous insistons donc sur la nécessité de maintenir une propreté rigoureuse en nettoyant régulièrement les surfaces et en utilisant des lingettes humides pour essuyer les déchets et les saletés. La nutrition est cruciale pour les astronautes en orbite. Nous avons un régime spécifique qui contient une quantité suffisante de nutriments et de protéines pour les maintenir en bonne santé pendant les missions. Nous nous assurons également que l'alimentation est variée pour éviter la monotonie alimentaire qui peut causer des problèmes psychologiques. Et pour le sommeil, il est également important de maintenir une routine de sommeil régulière et en orbite, car le cycle de sommeil peut être perturbé en raison de changements de lumière et de l'absence de pesanteur. Merci à tous pour ces précieuses informations sur l'exploration spatiale. Cela a été un plaisir de vous avoir ici. Merci de nous avoir invités. C'était un plaisir de partager mon expérience. Merci de nous avoir écoutés.